Ce sabot automatique Bricard est exactement ce que je recherchais pour la rénovation de mon portail. Donc voilà comment se présente la pièce en elle-même, hein, dans un emballage plastique. Hein. L'assemblage est très simple, hein. Il y a la partie qui est dite réversible, hein. D'ailleurs cette partie-là est réversible. Donc il faut l'emboîter dedans, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite on y met la pièce de plastique qui va le maintenir en place. Donc voilà, hop, on force. Et ensuite on a deux cylindres blocs en caoutchouc, donc qui vont s'enfoncer à fond et qui vont servir de butée donc pour l'éventail. Et après, une fois que ça s'est positionné, il n'y a plus qu'à mettre la semelle. Nous allons avoir besoin donc de chevilles, de vis de 6 mm donc à tête hexagonale. Enfin, après il y a une visseuse pour se faciliter la vie. Donc on a aussi besoin d'un perforateur bien évidemment pour faire les trous. Pour conclure cette vidéo, je dirais que ce sabot automatique Bricard est exactement ce que je recherchais pour la rénovation de mon portail. Il est simple à mettre en œuvre, je pense pouvoir dire sans problème que je recommande ce produit, oui.